Eh bien salut à tous, c'est Chorus85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4. Aujourd'hui je lance un nouveau petit concept qui a déjà été fait sur plein de chaînes différentes de YouTube, mais moi je l'avais toujours pas fait et c'est vrai que c'est un truc que j'avais en tête un petit peu depuis le temps que c'est arrivé. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être sur les routes créateurs. Tout a commencé parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram. Merci à toi Mathieu d'ailleurs. Suivez-moi sur Instagram. Donc je vous lis le message, bonsoir Kero, j'ai créé un circuit sur FH4 pour toi. Je me prends une voiture, c'est pas grave. Pour l'essayer, ce sera un immense plaisir. Ensuite, tes vidéos, un wheelspin, une voiture de drift, bonne continuation. Donc merci à toi, un wheelspin, une voiture de drift, ça arrivera plus tard, je pense. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes, mais pour l'instant, on va faire autre chose. Bon, alors, en l'occurrence, là, ça sera encore du drift, parce que la personne m'a créé un circuit de drift. Donc on va aller tester ce circuit là ensemble, je sais pas du tout, j'ai pas été le tester avant. Ce qui m'amène au concept de vidéo que j'ai envie de créer avec vous. Créer des circuits pour moi, je les testerai en vidéo, ça pourrait être vraiment sympa. C'est pas forcément du drift, là ça va être du drift. Mais du coup je pense que ça peut être vraiment cool de pouvoir faire ça et voir un peu les créations des gens. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous créez une course, je vous fais voir vite fait comment avoir votre petit numéro. Faut aller dans mon interface de création, après de personnalisation. Et juste là, vous voyez qu'on peut mettre en bas c'est marqué RS, voir le code. Donc RS c'est le joystick de droit. Et du coup si on clique dessus, ça nous donne un code à partager. Et du coup, vous pouvez tester les courses des personnes comme ça en fait. C'est un mini code en fait qu'on peut se partager pour retrouver plus facilement les courses. Donc si vous voulez le faire, dans les commentaires, mettez votre circuit que vous avez créé pour éventuellement une prochaine vidéo. Et puis moi, j'en sélectionnerai au hasard pour la prochaine vidéo et ça pourrait être vraiment cool à tester, voir ce que vous avez créé. Alors, en l'occurrence, n'allez pas du tout prendre ça parce que clairement c'est moi qui l'ai créé, c'est un truc à la con que j'ai repris comme ça. Je l'ai pas du tout fait, mais alors vraiment pas. Éventuellement, j'ai mon circuit de drift sur le circuit Lego, hein. Voilà, je vous le mets là si des fois vous voulez faire un petit tour, voir ce que ça donne. La personne qui m'a envoyé m'a pas donné le code, on va essayer de chercher manuellement. Est-ce que on va pouvoir le retrouver? Aucune épreuve! Génial! Ok, je lui ai répondu sur Instagram, il m'a répondu assez vite, du coup il a pu me passer le code, et ça vous voyez à quel point ça peut être cool quand même d'avoir un code, c'est que bah, pour rechercher c'est beaucoup plus facile parce que sinon c'est vraiment la galère. Donc alors son code c'est 998 308 409. Confirmé, et on est bien là, nickel, ça marche du tonnerre. Ok, bah bon, on va aller tester ça en solo, simplement. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme voiture? Qu'est-ce qu'il a autorisé comme voiture? On va prendre autre chose qu'une Supra, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont un peu marre de voir la Supra dans tous les sens. C'est quoi? On va prendre un Drift Missile, une S14, Drift for Corrosif. Waouh, les gens font des courses pour moi. Alors, on se retrouve ici. On va laisser, c'est pas grave. Alors, d'après ce que je comprends... Ouais, donc il a fait en sorte que les drive avatars ne gênent pas. C'est ça? Je crois que c'est ça. Elle est partie dans l'autre sens. Ok. Bah écoutez, on va drifter, hein. On nous dit qu'il faut drifter. Il me connaît bien. Ouh, ça va dans Edimbourg. Oh, ça va me plaire. Ça va me plaire, ça va me plaire. Il y a tous les drive avatars. Ouais, finalement, je vais dépasser les drive avatars. Allez, passez. Parce que final, je pense qu'ils vont m'embêter plus qu'autre chose. Voilà. Ça aussi, on peut pas faire de contre-la-montre sur Forza. C'est ça qui est un peu embêtant. Ouh, il y a des bons petits virages. Là, ça me plaît. Là, je vois des trucs. Je vois des choses. Je vois des choses. Attendez. On va laisser passer les drive avatars. Parce que là, clairement, j'ai envie d'être tranquille pour pouvoir drift. Allez, passe petit. Merci. Allez, go. Oula, boss. Pour les virages, les foirés. Ok. Allez, on se concentre. Yes. Il ferme les panneaux, c'est pas grave. Ok. Plutôt nice. T'as bien choisi les virages. C'est comme les poubelles, c'est pas grave. Nous sommes des éboueurs. Ouf, grande poubelle. Tout va bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Virage serré. Mais on est toujours là, on garde. Elle est vraiment cool cette course. Oh,
un peu sur le trottoir, on dégomme une poubelle encore une fois de plus. Ah, j'ai vraiment une dent contre les poubelles. Hein. C'est bien parce que je dégomme des poubelles avec une poubelle. Ça, c'est cool. Yes. Wow. Ok. J'ai regardé vite fait mon écran d'ordi et du coup, bah voilà, voilà. Déconcentration. Déconcentracture. Allez, épingle. Yes. Nickel. Oula. Ok. Gros bazar terminé. Ok, d'accord. Allez, petit virage en S. Oula. Putain, chier. Ah, j'ai fait de la merde. C'était nul. Allez, ça on essaye de gérer. Il y a une dernière épingle après ligne droite, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu. Allez, on la gère, on la gère. Bon, dégomme des poteaux, c'est pas grave. Ah, ok, non, d'accord, il y a encore un dernier virage. Tente le 360 entry. Je vais le chier. Je vais le chier. Je l'ai chié. Je l'ai chié. Faut vraiment que je prenne plus souvent cette voiture parce que clairement je suis pas à l'aise. J'aurais pu choisir mieux comme voiture, mais c'est pas grave. Eh ben vraiment cool. Vraiment cool ce petit circuit. Un grand merci à toi Mathieu, c'est vraiment cool. C'est ultra cool. Oui, j'aime cette personnalisation. Merci. Alors, pourquoi je suis dans le... Je suis en dehors de la map. La course a fini dans un bug. Du coup, on finit de l'autre côté du mur. On n'est pas censé être là. On n'est pas censé pouvoir y aller ici. Oh merde. Ah ouais. On n'est pas du tout censé être là en fait. C'est génial. Alors, je sais pas si tu t'es rendu compte à la fin ou si c'était voulu ou quoi que ce soit, mais à mon avis non, puisque tu l'as pas... Oula. Allô. Il y a du vide ici. Oh merde. Ah puis, je suis toujours de retour dedans en fait. Ok, je suis littéralement... Enfin non, pas littéralement. Je suis pas coincé parce que je pourrais me TP autre part, mais... Ok. Bon, bah c'est nickel, c'est la petite surprise. Ah bah voilà, voilà, j'ai encore, voilà, les en dessous de la map FH4, ça donne ça. Oh, on voit les ponts. Les ponts qu'on rêve tous de pouvoir emprunter un jour. Ok, en tout cas, bah c'était cool, c'était... En tout cas, c'était vraiment cool, cette petite, Maintenant, si vous voulez sortir de la map, vous savez quoi faire, hein, allez télécharger la... La course de Mathieu. Allez, c'est bon, on est libre. Merci à toi du coup Mathieu. Si vous voulez éventuellement faire pareil, donc je vous ai expliqué, vous donnez le code en commentaire de votre course. Et puis je testerai ça éventuellement dans une prochaine vidéo. J'en sélectionnerai quelques-unes. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage. Et éventuellement vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Cordy. Salut.